La Commission européenne envisage d'envoyer jusqu'à 3 milliards d'euros par an à l'Ukraine grâce aux revenus provenant des avoirs gelés de la Russie. Peu après le début de la guerre, l'Union européenne a bloqué environ 210 milliards d'euros appartenant à la Banque centrale russe. Les intérêts produits par ces fonds pourraient être versés à l'Ukraine. La Commission européenne préparait cette proposition depuis plus d'un an, mais des incertitudes juridiques ont posé problème. I think that we will approach the moment when the decision will be taken to use the body of seized assets, because basically we are moving towards the real fact that it is Europe only which will be responsible for helping Ukraine to fight for winning and restoring Europe after the aggression. So, and Russia should pay for that. À l'origine, cette somme devait servir à reconstruire le pays, mais la Commission propose maintenant que 90% de cet argent aille à la Facilité européenne de soutien à la paix pour acheter des munitions ou des armes. I hope that we can reach an agreement soon and change banknotes into weapons. Because your soldiers don't fight with banknotes. They need physical arms. They need physical instruments. Une fois la proposition approuvée par le Conseil, l'Ukraine recevra l'argent en deux versements annuels. Le premier devrait arriver à Kiev au début de l'été.